Bonjour tout le monde. Bienvenue à la question métier. Mon invité ce soir est David Bouchard, auteur, récipient de l'Ordre du Canada. Il a écrit aussi, il a été professeur et principal d'école. C'est une personne qui est très dévouée à sa culture. Bonsoir, David. Bonsoir à toi, Daniel. Je voudrais te remercier d'avoir venu avec notre émission aujourd'hui. Puis, je te laisse la parole. Tu peux commencer à parler de tes livres, le Proud Métis. Est-ce que ça va être un volume qui va être en français bientôt? Mais écoute, Proud to be Métis, si t'es pas francophone ou de Sudbury, tu vas pas comprendre parce que la moitié est en français. Donc, j'utilise des mots, mes chefs, une centaine de mots. Mais c'est un peu des deux. Et franchement, les lecteurs qui sont anglais trouvent de la peine à lire. Donc, j'ai deux colonnes. Je lis ici en franglais, mais chef, et l'autre en anglais. Donc, les gens de même. OK, Daniel, merci. Je sais que tu te trouves au nord de l'Ontario, puis on s'est parlé brièvement, puis à Sudbury. Je dois simplement dire que Sudbury, je trouve la culture de Sudbury tellement, tellement intéressante. La dernière fois que j'étais là, j'ai embarqué dans le taxi pour aller à Ville, puis l'aéroport de Sudbury, pour se rendre à Ville, ça prend environ 10 heures. C'est tellement loin. Donc, j'embarque dans le taxi, le taxi commence à me parler, puis avec quelques mots en anglais, quelques mots en français, finalement, j'ai dit, comme mon ami, tu me parles en anglais ou en français? Il se vire de bord, puis il dit, ouais. 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 Justement. Donc, je trouve ça tellement, tellement intéressant, ces gens-là. Et j'ai pu travailler avec des jouets de l'île qui sont vraiment ces deux cultures-là, c'est évidemment ça interchange. Et on sait qu'il y a du sang mélangé en masse en plus. Donc, j'ai des amis à Manitouane, j'ai des amis à Sudbury, à Kirkland encore. Et nous, on doit sans doute avoir des racines, des cousins ensemble parce que je sais que ta mère a de la parenté qui vient du lac. Et moi, mon père, c'est un Blois du lac Saint-Jean. On est des Bouchards, des Savards, des Tremblay, donc un vrai mélange. Puis, lorsque papa était là, on ne se parlait jamais, jamais d'être métisse. Jamais. Même s'il savait que lui, sa mère, le Savard, qui est né à Pointe-Bleue, sur la réserve à Pointe-Bleue. Puis ces gens-là, évidemment, c'est la réserve. Et ma grand-mère, elle était une pilote, Marie-Louise Pilote. Et je ne sais pas si souvenez-vous des joueurs de hockey, Stan Pilote, qui jouait pour les Blackhawks de Chicago. C'est un grand, grand talent. Pilote, c'était un des premiers Indiens, première nation pour jouer dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est notre famille. Ce sont les pilotes. Mais on ne s'en parle jamais. Et l'Église nous aidait, nous, à se cacher, à cacher notre culture, notre héritage, notre sang, parce qu'évidemment, on avait beaucoup plus de succès à être Québécois qu'à être métis. Donc, moi, ma parenté, on s'en parlait jamais. Mais aujourd'hui, là, 2020, là, on s'en parle. Et mes cousins ont commencé à rebrocher leurs cartes. Et ouvertement, on se voit, nous, étant des jeunes Innus. Nos ancêtres étaient des Innus, des Montagnais. Même s'il y a des Métis de l'Ouest qui n'aiment pas nous entendre parler de même, si on l'a dans le sang, on ne veut pas se cacher. On veut non seulement reconnaître nos ancêtres, mais leur donner la chance de vivre par moyen de nos vies. Donc, on a ça ensemble. Mais Daniel, que tu as autre chose, permets-moi de vous montrer une de mes têtes, parce que j'ai commencé à jouer de la flûte, ça fait quelques années, et je ne sais pas si ton auditoire aime la musique ou non, mais pour moi, ces têtes-là, c'était vraiment une révélation, parce que je suis sévèrement dyslexique. Tu vois autour de mon cou des écouteurs. J'ai pas lu un livre de couvert à couvert jusqu'à l'âge de 27 ans parce que j'ai de la peine à lire. Donc, l'année passée, même, j'ai écouté 109 livres. 109 livres. Et j'ai lu 11 livres. Donc, j'ai de la peine à lire. Ça veut dire que pour moi, jouer de la musique, pour lire de la musique, c'est extrêmement difficile. C'est presque impossible parce que c'est des taches noires sur une feuille de papier. Mais la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, oh man, je me demande si je pourrais le faire. Il y a ce trou en haut. On a à peine à couvrir un des trous de bain et à souffler.
je joue tout ce qui aime mon cœur. Je peux aussi jouer des chansons que toi, Daniel, tu vas reconnaître. Celle-là, par exemple, je sais que tu la connais. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de. Moi la celle-là, Daniel? Il y a longtemps que la je. Fontaine. Je t'aime. OK. Jamais je te peux mourir. Et finalement, pour toi, Daniel, petit test. Celle-là, les jeunes ne vont pas connaître aussi bien que toi puis moi, mais celle-là, je pense que tu vas la connaître. Des pays étrangers parcouraient en pleurant des un Canadien et un banni de ses foyers. Donc, ça pour dire que, pour voir, moi dans mon chant, j'ai une centaine de flûtes que j'adore. C'est une partie de ma culture que j'ai jamais connue comme un jeune homme parce que, pour ton auditoire, je suis né en Saskatchewan. Papa, lui, qui est venu du Québec. Maman qui était métisse des États-Unis, qui est montée des États-Unis, elle est Mercier, Cécile Mercier. Et sa mère, elle, était métisse du sang Ojibwé et Osage. Et ça, on ne l'a jamais su. Mes parents l'ont jamais su. C'est moi, j'ai dépensé des sous en masse parce que j'ai voulu savoir le nom de mes ancêtres. Je savais qu'on avait, mais je ne savais pas qui. Donc, finalement, j'ai essayé de travailler avec le Mercier Métis de la Colombie-Britannique, mais ils ne sont pas en place pour nous aider. Si tu veux savoir sincèrement savoir d'où tu viens, il faut que tu ailles chercher toi-même et tu reviendras nous voir. Donc, j'ai engagé, moi, une généalogiste de Green Bay et j'ai dit, je veux retourner cette génération, voir d'où je viens. Et sincèrement, Daniel, après 6, il manquait de l'argent parce que c'est tellement cher. Pour faire ces études généalogiques-là, il faut être exactement, il faut avoir les documents légaux ou ça ne marche pas. Ouais. Donc, j'ai pu me retracer. Après 6 générations, ça m'a coûté presque 10 000 piastres. J'ai pu savoir que mon grand-père est un charbonneau, mais en effet, ce n'était pas un Québécois, c'était le nom que l'Église catholique lui a donné, il était Ojibwé. Lui, sa femme était Bonne Terre. Mais c'est encore une fois, pour recevoir un nom, pour être baptisé par l'Église catholique, on devait prendre un nom et on devrait relier nos racines. Elle était Osage, ma grand-mère. Et ces gens-là, aux États-Unis, les Osage, ce sont les plus grands Premières Nations des États-Unis. C'est pour ça que moi, 6 pieds 2, je suis un des plus petits dans ma famille, mais 6 pieds 5, 6 pieds 6, c'est des géants, parce qu'on a ce sang de ma grand-mère. Donc ça, j'ai trouvé ça tellement, tellement intéressant. Mais ça m'a coûté des sous. Savoir que les Merciers, les Charbonneau, Baudouin, mais en effet, moi, ma grand-mère, Jeanne Charbonneau, c'était la métisse qui est venue me chercher, me repêcher lorsque je dormais. J'étais bien content avec ma vie. J'étais directeur d'école, j'avais des époux, j'avais de beaux enfants, j'étais bien content. Et une nuit, je me suis réveillé, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire un livre que j'ai appelé, moi, « Pas comme ma voix et mon cœur ». J'ai écrit une histoire sans savoir d'où ça venait. Je me suis réveillé, le livre a été publié, et finalement, je me suis rendu compte, « Wow, c'était... » Et moi, Daniel, je me couche la nuit, chaque nuit avant que je me couche, je suis toujours comme, « Maman, viens me chercher, je suis là pour toi. » Et je me réveille à 4 heures du matin, je commence à écrire. En tout, là, j'ai 74 livres. J'en ai 33 en français. Et franchement, habiter dans l'Ouest canadien pour faire publier en français, c'est assez difficile. Parce que les éditeurs dans l'Ouest, eux,
savent que le marché français vraiment au Québec ou au nord de l'Ontario, puis on n'a pas le marché qu'il nous faut ici même avec les enfants qui font leurs études en immersion. On n'a pas le... Ça m'a pris du temps avant que j'ai pu convaincre mes éditeurs que mes livres devaient être présentés en français. C'est pour ça, je ne sais pas si tu savais ou non, Daniel, on m'invite moi chaque année pour le Salon du livre à Paris. Pourquoi? Parce que je suis Françaisquois. Et eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et Françaisquois, aujourd'hui, ça veut dire que je suis francophone hors du Québec. Ah, tu n'es pas québécois? Ouais. Non. Mais tu es pas français? Oui. OK, tu es de l'Ontario? Non. Françaisquois, de la Saskatchewan. Ils ne comprennent pas, mais je veux dire quelque chose, Daniel. Les Parisiens adorent mon accent. Ils m'adorent. Ouais. Pour m'entendre parler, je suis à l'entour qui me pose des questions. Ben, pardon, M. Bouchard, on voulait vous poser quelques questions. Allez-vous-en. Là, je sais, vous êtes simplement m'entendre parler. Chou, go! Parce qu'on a... Ça aussi, c'est là. Mais on a un vocabulaire qui est particulier à nous. Des mots qu'ils n'utilisent plus à Paris. Puis même, je ne sais pas si vous étiez en Ontario. Et de temps en temps, lorsque je me trouve à Paris, je leur cite leur texte. Donc, j'utilise un mot juste pour voir s'ils me comprennent. Et la dernière fois que j'étais là, parce qu'évidemment, ils l'ont annulé l'an passé. La dernière fois que j'étais là, j'ai dit à la dame, « Écoute, madame, je te la garoche. Je vais te la garocher. » La garoche. Puis elle m'a dit, oui, de la tirer, de la lancer. Évidemment, elle m'a dit, « Tu vas quoi? Je la garoche. » Elle a dit, « Monsieur Bouchard, je ne comprends pas le mot. » J'ai dit, « Ça veut dire, je te lance. Je vais te lancer, madame. » Ils ne savent pas. Ou pogne la balle. Pour eux, poigner, aucune idée. Oui. Attraper la balle, poigner. Exactement. Il y a tant de choses qu'on utilise encore chez nous. Sincèrement, encore dernier, même les chansons françaises du vieux temps qu'on appelait, nous, toi et moi, lorsqu'on était jeunes, qu'on avait appris simplement parce que ça faisait partie de nos racines, ils les ont oubliés. À Paris, je leur chante des chansons, ils ne savent plus. Il y en a deux ou trois qui savent, comme « Sur le pont d'Avignon, on y pense et on y danse sur le pont d'Avignon. » Ça, ils savent. « V'là le bon vent », ils savent. Mais il y en a tellement que je chantais, moi, comme un petit garçon, qui viennent de la France, qu'ils ont complètement oublié. Connais-tu celle-là, là? « Passant par Paris, vis dans ma bouteille, un de mes amis me dit à l'oreille, gay bonbon, le bon vin m'endort et l'amour m'y réveille encore, le bon vin m'endort et l'amour m'y réveille encore. » Ils l'ont oublié. Ils ont oublié leur chanson. Et sincèrement, c'est quelque chose qui m'inquiète, moi, comme un francophone de l'Ouest, c'est que nos jeunes, eux, sont en train de perdre notre culture. Et chaque fois que j'ai la chance, je leur dis comment c'est important. Donc, dans mon livre, mon nouveau livre, Proud to be Métis, sur chaque page, une chanson française que je chante, moi. Et mon livre va finir avec une de mes chansons préférées. Et c'est que mon grand-père me chante, moi. Papa, auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon. Auprès de ta grand-mère, qu'il faisait beau dormir. Dans le monde de mon père, on a dû se cacher. Dans le monde de ma mère, on a dû se cacher. Mais dans ton livre, mon cher, je peux être plus fier d'être métis. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Auprès de ta grand-mère. David, et qui faisait beau dormir auprès de la mère. Ouais. Sur chaque page. Oui. Et je ne sais pas si tu connais les îles de la Madeleine, c'est tout, Daniel. Il y a 50 ans, je suis allé sur les îles. Puis avant de partir, une vieille dame est venue me trouver, puis elle m'a dit, mais comme je te donne un petit cadeau, une chanson que je vais te donner. Comme un petit cadeau, c'est qui on est, nous? Et Daniel, sincèrement, ça fait 50 ans que je l'ai entendu cette chanson-là, mais je l'ai toujours gardée dans mon cœur. Et de temps en temps, je chante, je ne sais pas si tu la connais. Mon père n'avait fille que moi, je le menais bien, mon devidoir. Encore sur la mer, il m'envoie. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, mon devidoir. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, mon devidoir. Le marinier qui m'y menait, je le mène bien, mon devidoir. Il devint amoureux de moi. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, je le mène au doigt. Je le mène bien, mon devidoir. Je le mène bien, je le mène au doigt. Il devint amoureux de moi. Je le mène bien, mon devidoir. Ma mignonnette, embrasse-moi.
Je le mène bien, je le mène au de... Ma mignonnette, embrasse-moi. Je le mène bien, mon devidoir. Ne nie, monsieur, je n'oserais. Je le mène bien, je le mène... Ne nie, monsieur, je n'oserais. Je le mène bien, mon devidoir. Qu'est-ce que tu penses? Hey, merci, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est comment que tu as commencé à écrire à l'entour de l'âge de 27 ans? C'est quoi qui t'a porté là à... Non, du à tout. Comment lire à l'âge de 27 ans? Et ce sont les gens qui ont apporté là. Je me suis trouvé seul avec un jeune, une classe de 9e année. Puis l'enseignant était malade. Je n'avais rien à faire. Donc, je me suis gardé autour de moi. Je me suis dit, que je peux faire avec eux? De temps en temps, lorsque j'allais à mes guitares, on chantait. C'était ma classe, moi, on chantait. Je leur donnais toujours nos chansons franco-canadiennes. Mais ce temps-là, j'ai ramassé un livre. J'ai commencé là à ces jeunes-là. Puis lorsque la classe chansonnait, ils m'ont regardé et ils ont dit, arrête pas. J'ai dit, plus je vais être avant d'examen. Non, non, arrête pas, monsieur Consuel. Et je me suis rendu compte que les jeunes, eux, aimaient le livre que j'étais en train de leur lire. Donc, j'ai commencé à lire aux jeunes. Et de l'âge de 27 ans jusqu'à l'âge de peut-être 37 ans, je suis devenu lecteur autant autre chose pour les jeunes que pour moi-même. Mais je me suis rendu compte que je lisais fort. J'avais la capacité de lire et de comprendre ce que je lisais. Et c'est sincèrement, j'avoue que pour moi, ma passion et le cadeau que le bon Dieu m'a donné, c'est le cadeau de raconteur, c'est le cadeau de corbeau. Je ne l'ai jamais su. Dernière en maternelle, là, c'était des religieuses qui m'enseignaient. J'avais 4 ans. Puis je me souviens, elle m'a regardé et elle m'a dit, Bouchard, veux-tu taire? J'avais 4 ans. Bouchard, veux-tu taire? Et j'ai dit, non, ma sœur. Elle m'a sacré un volet. Une fois rendu chez moi, elle ne pas m'attendre pour me sacrer une deuxième volet parce que j'avais été impoli envers la religieuse. J'ai dit, oh, papa, en 4e année, dernière, je suis tellement vrai. Bouchard, tais-toi. Sincèrement, en 9e année, un prêtre, un oblat par le nom de Père Desjardins, m'a regardé et m'a dit, Bouchard, ta gueule. J'ai dit, ta gueule, c'est beau, mon père. Il n'y a pas une personne qui m'a jamais dit, Bouchard, écoute, toi et tes histoires, penses-tu quel cadeau que le Créateur, notre Créateur va donner? Et là, mon tatou, pour moi, c'est Créateur. Ça pourrait être une femme parce que sincèrement, moi, mon Créateur, c'est probablement une femme. Je crois, moi, sincèrement, Daniel, que ma mère, la Terre, c'est de là où je viens. Lorsque je mourrai, c'est là où je vais retourner. Ma mère et papa sont retournés à ma mère, la Terre. Je crois sincèrement à elle. Et lorsque je te dis que moi, mon père, c'est ciel, j'y crois. C'est mon père qui m'a donné, moi, l'air qu'il fallait pour respirer. Je crois, moi, à ma mère, la terre, mon père, le ciel, mon grand-père, le soleil, ma grand-mère, la lune. Et les étoiles, ce sont mes parentés. Lorsque je meurs, moi, je vais aller rejoindre ma parenté dans les étoiles. J'y crois sincèrement. Mais moi, j'ai mis Moïse sur mon bras. Parce que chaque matin, je me réveille et je vois dans le miroir un corbeau. Son œil, bec, c'est un corbeau. Et moi, je regarde vers le ciel et je dis, oh, OK, mon Dieu, je sais mon cadeau. Moi, je vais essayer autant que possible de vivre ma vie sur le cadeau que tu m'as donné. Pas sur l'argent, pas sur mon égoïsme, mais plutôt sur ce que je suis. C'est vrai, hein? Parce qu'un jour, je me suis rendu dans le grand ciel, puis mon Dieu, lui, elle va mettre son bras autour de mon cou, puis elle va dire, Bouchard, c'est le cadeau que je t'ai donné? Et je vais dire, oui, mon Dieu, mais tu m'as fait raconteur. L'école était tellement difficile pour moi parce que j'étais dyslexique et j'étais toujours en trouble parce que je parlais toujours. Tu sais que j'adore jouer au hockey. Je n'ai jamais pensé me faire un joueur de hockey. Puis bon, Dieu va dire, Bouchard, ta gueule. Ouais. Tu vois-tu? Ouais. Puis, c'est le corbeau, le livre, le corbeau, tu as écrit ça. C'est une représentation de toi, ça? C'est moi, je suis corbeau. Je l'écris autant parce que, Daniel, je crois qu'il y a tellement de gens qui ne connaissent pas qui ils sont. Je crois sincèrement, moi, que la plupart des Canadiens autour de nous ne connaissent pas vraiment qui ils sont. Et moi, mon but, en partie, c'est de faire connaître aux gens que si tu peux venir à comprendre le cadeau que le bon Dieu t'a donné, tu vas vivre une belle vie. Sincèrement, j'y crois sincèrement que tu dois apprendre que si jamais il y a quelque chose dans ton voyage, sur ta veste, sur lequel tu n'es pas certain, regarde,
consulte à ton esprit le cadeau, l'animal ou l'oiseau, le poisson avec qui tu sens une relation spéciale. Et pour moi, c'est Corbeau. Il est raconteur, lui, comme moi aussi, je suis raconteur. Oui. Je suis Corbeau, j'ai écrit pour des jeunes comme moi qui ne savent pas. Ils peuvent lire mon livre, et à la fin, ils vont dire, OK, je ne suis pas un ours, je ne suis pas un loup, je ne suis pas un... Donc, j'arrive autant possible pour leur mettre sur cette piste-là, pour aller découvrir qui ils sont. Ça va leur aider. Toi aussi, Daniel, sais-tu ton guide spirituel, toi? Connais-tu ton non. guide spirituel? Aucune non. idée? Non, pas encore, non. OK. Moi, je vais dire que j'avais 54, là où j'ai appris qui j'étais. Et moi, une vieille femme, je voulais me regarder et elle m'a dit, c'était quoi? J'ai dit, sincèrement, je ne sais pas. Comment est-ce que tu peux vivre sans pas savoir qui tu es? J'ai dit, écoute, madame, elle m'a dit, va coucher. Et, oh, elle m'a dit, t'es enseignant? J'ai dit, oui, je suis directeur d'école. Es-tu bon? Je pose pas mal. Elle m'a dit, OK. Sincèrement, là, se couche ce soir. Oh, t'es probablement un ours. J'ai dit, ah, j'espère, oui, parce que j'adore les ours. Elle m'a dit, OK. Couche-toi ce soir et tu vas voir, ça va venir te chercher. Il n'y a rien de fancy là-dedans. Couche-toi et ça vient te chercher. Alors, Daniel, je me suis couché. Sincèrement, là, après 10 semaines, j'ai vu une corneille. Une vieille corneille. Et je suis trouvé que c'était tellement, tellement intéressant. Une corneille. Et le lendemain, j'ai dit à la vieille qui m'a aidé, elle m'a dit là-dessus, j'ai dit, oui, j'ai vu une corneille. Ah, oh, t'as vu une corneille? Oui. Parle-moi de qui tu es. J'ai dit, je sais pas, je suis directeur d'école, j'ai une maîtrise, je suis auteur de 50 livres, j'ai pas lu un livre sur le à 27 ans. Et elle a dit, et comment as-tu pu réussir à l'école? J'ai dit, parce que je suis menteur. T'es quoi? J'ai dit, je suis un menteur. S'il y a quelque chose que je comprends pas, je dis toujours quelque chose autre qui va plaire à mes enseignants. Elle m'a dit, t'es pas menteur, Bouchard. T'es un corbeau. Tu utilises, toi, ces petits trucs. C'est comme un joueur de tour. T'es trickster, t'es joueur de tour. Okay. Ça pour dire, je suis corbeau. Et toi, Daniel, lorsque tu couches ce soir-là, ouvre ton cœur. Rien de fancy, ça vient de te chercher. Ça ne doit pas nécessairement être quelque chose aussi sexy que l'aigle ou le lion ou l'ours. Ça va peut-être être un oiseau-mouche. Ça sera peut-être, je ne sais pas, un écureuil. N'importe quoi. Laisse, ça vient de te chercher, tu vas savoir. Et lorsque tu sauras, si tu sais ce que tu dois faire, tatoue. Ah oui? Daniel, tu dois le tatouer. À gauche sur ton cœur, parce que ton cœur est là, à gauche sur ton cœur, tatoue. Et la prochaine fois que je te revois, je vais dire, Daniel, as-tu ton tatou? J'ai jamais aimé ça, vraiment, des tatous, là, tu sais. J'ai jamais pensé à ça pour moi, là, tu sais. Moi non plus. J'avais 50, j'avais 64 ans, là où j'ai pris mon premier tatou. Incroyable, ouais. Je sais, c'est vrai. Et là, regarde, je suis couvert. Oui. T'es couvert d'un bord à l'autre, là. Juste sur les bras. Je veux savoir. Juste sur les bras. Ouais. Puis là, tu as aussi écrit d'autres livres, puis les choses sur les Seven Fires, là, c'est quoi que tu as écrit ça? Les Seven Sacred Teachings. Ah, et je l'ai écrit en français aussi. Oui, ça. Les sept enseignements sacrés. Oui. Ouais, les sept enseignements sacrés. L'autre chose que j'ai faite, qui est vraiment intéressante, je l'ai fait pour les enfants primaires. Donc, pour les enfants primaires, j'ai changé le titre. En anglais, c'est « We learn from the sun ». Et je l'ai écrit autant en français, « On apprend le soleil ». Et pendant qu'on se parle, il est sur un bateau qui vient de la Chine parce que ça va être le mois prochain dans les bibliothèques. « On apprend le soleil ». C'est super beau, c'est de la poésie. C'est le même artiste. Super, super beau. Donc, je suis là. Et le deuxième, c'est « Meet your family ». Rencontre ta famille. Et dans mon livre, je dis aux jeunes, tu veux rencontrer ta mère? Et je leur présente leur mère la terre. Tu veux savoir qui est ton père? Je leur présente son. Donc, ouais. Donc, les sept enseignements sacrés sont super intéressants. Veux-tu faire un petit break? Après quoi? Oui, on prend une pause là, pour 45 secondes, puis on en revient. OK.